Chez moi. Yo tout le monde, c'est Mister Game. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Donc sur Minecraft. Donc on est toujours avec notre appareil photo. Donc on n'est pas encore en HD PVR. Et là, on va faire. Là, il fait nuit. Bon, bah on va aller dormir. C'est une petite vidéo de présentation qu'on vous présentera notre monde. Et pendant les. D'accord, ça marche pas. Pendant les prochains épisodes, donc on va faire des constructions avec vous. Donc simplement pour commencer, comme on n'a pas d'HD PVR, s'il vous plaît, restez puisque ça vaut le coup de regarder. Donc voilà, donc, là c'est notre première maison, celle-là on l'avait fait en survie. Donc Max il n'était pas encore venu dans le monde quand j'ai fait ça. Avec un petit champ, là un petit truc. Donc ça fait la musique de Star Wars aussi. Bon, ça, à mon avis, ça s'entend pas. Donc, ça nous mène dans un tunnel. On le passe vite fait. Allez, allez, allez. On arrive là avec des usines à cacao. Là, c'est, on va dire, le hall, le truc principal. Avec une salle d'enchantement automatique. Donc, ça, je vous présenterai une fois. Avec ici, donc, une usine à blé. Ça, c'est une poubelle. Une usine à carottes et à patates. Une usine à bouffe. Donc là c'est où qu'on les nourrit pour qu'ils font des petits et tout ça. Une usine à canne à sucre, à cacao, à pastèque. Par contre celle-là elle pousse jamais, bah, c'est pas grave. Donc au bout de ce tunnel il y a X mob qui marche pas. Donc il faut la redstone update. Ça sera pour la salle des coffres, sauf qu'on n'a pas encore les hoppers sur Xbox. Ah oui aussi on est sur Minecraft Xbox. J'ai pas précisé mais il n'y a pas besoin. Là, donc il n'y a rien pour l'instant, plus tard il y aura un truc. Donc là c'est le château, voilà, donc what the fuck. Ici c'est un arc de triomphe que j'ai rejoint avec une rempart, le petit clocher. Là un bateau, donc avec un petit bar, un petit port vite fait. Ouvrez les paris, 5 livres la mise. C'est un petit troll. Donc avec là, on peut dire la salle où il y a les cargaisons, donc c'est le bordel là-dedans. Avec la petite cave où qui dorment et où qui mangent les matelots. Donc plus tard on fera un serveur aussi dessus. Hein. Donc la cabane du capitaine. Ouais, je vous la montre vite fait. Donc voilà, donc le bateau c'est fini. Après aussi il y a ça. Et en haut. En haut là il y a le petit. La petite tour de guet. Là la petite île volante. Enfin la petite île volante. La petite île tout simplement. Là donc c'est les remparts avec des petites tours à chaque fois vite fait. Là c'est l'usine à faire donc avec des golems. Oh il faut que je tue cela après. Là c'est un manoir qui est en construction. Là c'est la ferme. Ouais voilà. Là c'est une arène toute automatisée. Le petit quartier donc avec les maisons et tout. L'arc de triomphe. Le château, la forge. La maison du roi, l'écurie. Et voilà, donc c'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur ce monde. Après, il y a encore plein d'usines. Il y a une usine à Enderman, une usine à Blaze, donc elle est par là. Sauf que je vais pas y aller. Enfin, si j'y vais quand même, en fait. Ouais, j'y vais quand même. Donc elle est là, là-dedans, il y a un portail. Et je laisse parler Max. Salut tout le monde. Là, je sais pas trop où est-ce qu'il va. Tu vas où? À l'arène. Ah, fais-leur montrer ton système redstone vite fait. Ok, donc par contre je passe par là, je passe en mode YOLO. Regardez un peu son système, voilà. Il est quand même assez complet je pense. Ouais, ça va. Donc ici là ça s'ouvre pas s'il y a une seule personne sur le fil. Ça s'ouvre pas, voilà. Donc c'est tout con, mais voilà. C'est tout con, et quand il y aura la deuxième personne, attendez, hein, regardez ce qui va se passer quand il y aura la deuxième personne. Donc déjà là le mec est bloqué, donc s'il a engagé le combat, il est dans la hesse, il peut plus bouger. Et puis là, une fois qu'il y a les deux, ça s'ouvre. Mais voilà. Et si vous n'avez pas remarqué, en fait, si vous n'avez pas remarqué, en fait, pour le premier qui va sur le deuxième fil, en fait, lui, il peut encore ressortir. Mais c'est à partir du deuxième, quand il enclenche le premier fil devant lui, c'est à cause de lui qui le premier qui a enclenché le fil. Qui sera enfermé et après voilà parce que sinon ce serait un peu con quoi, genre le mec
il part au combat et il peut plus revenir tant qu'il n'y a pas un deuxième sur gars qui veut se combattre. Donc voilà quoi. C'est un peu con. Et comme il vient de vous faire montrer, votre le futur manoir. Et s'il a oublié de le préciser, nous sommes en créatif. Il a quand même fait beaucoup de choses en survie dans ce monde. C'est pour ça que. En fait, ce monde, on hésite à. Il l'a appelé survie, mais on hésite quand même à l'appeler créatif ou survie. Voilà, ça c'est le futur manoir qu'on n'a pas. On a pas commencé les reliefs et tout. On n'a pas tout fini en fait. Et là, je pense que tu voudrais pas faire montrer ton usine à Enderman. Ouais, mais là on n'est pas en facile donc ça marche pas, mais. Ouais, mais ouais. C'est normal. Je vais faire voir le fonctionnement quand même. Il va vous faire montrer le fonctionnement et tout ça. Donc voilà. Ah oui, aussi j'ai tout éclairé comme vous voyez là, il y a la blinde de temps. Comme ça, quand là il a un pacifique, pour ceux qui sont sur l'ordinateur, je pense que vous connaissez pas. C'est pacifique, c'est ça veut dire. Ils connaissent. Hein. Bon voilà quoi, vous connaissez alors. Donc voilà. Si. Voilà. Et à un moment, ils ont creusé dans l'Under. Ils ont creusé plutôt dans le sol, ils ont trouvé le portail de l'Under. Directement creusé. Ouais, voilà. Et là, c'est l'usine à Enderman. Déjà là-haut, vous voyez tous les systèmes. Tous les systèmes que Kevin a fait, mon frère. Et je laisse la parole à Kevin là. Donc, en fait, le système il est tout con. Ah, je tombe. On a mis de la flotte partout, mais partout. Du coup, ils peuvent plus spawner puisque les Enderman, ils aiment pas l'eau. Les Enderman, ils aiment pas l'eau. Du coup, ils peuvent spawner que ici, puisque aussi partout on a mis du 2,5 comme ça, on peut passer et sauter. Tandis que eux, ils peuvent pas spawner. Donc du coup, ils peuvent que spawner ici. Et dès qu'ils y sont, ils sont poussés, ils sont tombés là. Après, ils s'arrêtent ici et ils commencent une chute de 42 blocs, je crois. Enfin, là c'est 43, donc ils meurent. Et là c'est 42 blocs, donc il reste plus que 0,5 heures et on peut les one shot à la main. Donc voilà, après ça c'est. C'est un petit système et en 15 secondes je crois que vous passez 30 levels, je pense. Non. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a masse de. Il y en a masse qui. Et vous voilà. Et là j'imagine que vous vous demandez. Avec le petit cochonou. Ouais. Et là j'imagine que vous vous demandez pourquoi il y a des golems dans la maison. En fait on les considère comme nos gardes à peu près. Voilà. C'est au cas où qu'on laisse la porte ouverte, il y a un zombie qui arrive. Bon, déjà il peut pas spawner mais c'est pas grave. S'il y en a un quand même qui arrive, bah il se fait déboîter quoi. Voilà, il se fait. Versus un zombie. Bon, voilà quoi. Mais ça zombie, ouais, ça. Bah, il se fait. Je crois qu'en fait, il restera plus de la chair comme quand il nous drop de la chair, quoi. Ouais. Bon, sinon, c'est tout. Donc là, c'est une petite référence. Donc, je dis pas lequel. Celui qui trouve d'où vient cette référence. Il faut déjà qu'il le marque dans le commentaire de cette vidéo. Le premier qu'il marque, il gagne. Attention, rien du tout. Voilà. Donc, du coup. Et c'est un mot magique. Non, je rigole. Donc du coup, ah oui aussi, on a fait la poule sauveuse, donc ça s'appelle la poule sauveuse. En fait, au début on avait plus de flèches pour le dragon, il voulait pas venir, j'avais un œuf sur moi, je l'ai lancé sur le dragon, et il y a une poule qui a spawn, donc on l'a appelée la poule sauveuse et on l'a enfermée, donc c'est assez marrant quoi, enfin... C'est marrant vite fait. Ça m'a fait rigoler. Ah oui, ça c'est une petite maison. Moche. C'est moi qui l'ai fait. Et ça c'est la maison là, que vous voyez. C'est la maison qui, en fait, la maison si vous êtes perdu et que vous trouvez cette maison, je pense que vous allez avoir un refuge, c'est ça? Ouais, en gros c'est pour celui qui se perd. En attendant, il y a une petite maison. Donc la poule sauveuse. Mais sinon voilà, ils ont fait des bons petits systèmes redstone comme ça s'ils viennent en survie. Ah fake. En même temps, s'ils t'enlèvent pas ça. Ah, c'est ce que j'avais fait. Après, voilà, ils ont tout fait parce qu'en fait les Enderman n'aiment pas l'eau, donc c'est pour ça qu'ils ont tout mis plein d'eau. Donc la poule sauveuse, elle est là-dedans, mais elle est là. Et comme vous avez, j'imagine, pas entendu, mais la poule l'a fait coq, coq, coq. Elle a fait bout de la poule, quoi. Bah, c'est une poule. Je sais. Bon, du coup, c'est tout pour cet épisode. Donc, on vous laisse pour un prochain épisode, certainement la semaine prochaine, je pense. Donc je pense qu'avec vous on va construire le manoir à moins qu'il sera déjà fait, je sais pas si je pourrais attendre une semaine. Peut-être que normalement on va en faire une vidéo du début de la construction. Donc n'oubliez pas de mettre le mot magique, donc c'est le nom de la référence du bateau. Donc pas du jeu hein, parce que sinon c'est trop facile, c'est le nom du bateau. Bon, vous avez juste à regarder sur internet. Et regardez cette belle église à droite quand même. La belle église là. Donc on va se laisser sur cette petite image. Donc attendez, on va monter pour voir tout le
château. Donc on se laisse sur cette belle image. Et allez, à plus.